Les clés de niveau sont des objets mystérieux qui possèdent la capacité d'accéder à certains niveaux par des portes. Les clés de niveau sont des objets rares que l'on trouve dans les backrooms. Chaque niveau a sa propre clé et il peut y avoir plusieurs clés appartenant à un niveau, leur niveau personnel. La plupart des clés de niveau ressemblent à des clés en fonte du XXe siècle, mais elles contiennent également une partie de l'essence de leur niveau d'origine dans leur apparence. Elles peuvent déverrouiller les portes de ces niveaux et peuvent également être utilisées pour accéder à leur niveau d'origine par les portes d'autres niveaux. Les clés de niveau fonctionnent de la même manière que les clés des front rooms, à quelques exceptions près. Une grande partie du fonctionnement interne de ces étranges clés est inconnue et fait toujours l'objet de recherches actives de la part du MEG. Il est intéressant de noter que la propriété la plus utile des clés de niveau est qu'elles résonnent toutes à des fréquences spécifiques en fonction du nombre de niveaux que vous devez traverser pour arriver à leur niveau d'origine. C'est toujours le chemin le plus court. Les fréquences pour chaque distance sont apparemment aléatoires pour chaque type de clé, mais il a été théorisé que si l'on pouvait déchiffrer le code de prédiction pour un type de clé de niveau, on pourrait prédire la distance sur la base de la fréquence, ou vice-versa, pour ce type de clé. Les ensembles de données pour la navigation dans les niveaux éloignés des niveaux stables quantiques sont très précieux et souvent recherchés par les explorateurs et les wanderers experts. Le MEG a récemment découvert que les clés des front rooms vibrent incroyablement faiblement, laissant présager une sorte de sortie. Si l'on pouvait déchiffrer le code de prédiction des clés des front rooms, on pourrait obtenir un détecteur de chaud ou froid qui nous dirigerait vers les front rooms. Cette propriété fait actuellement l'objet de recherches approfondies. Les clés de niveau utilisées pour les LPS, Level Positioning System, ou Système de Positionnement de Niveau, en français, sont divisés en fragments pour un stockage plus compact et pour maximiser le nombre de LPS produits par clé de niveau. Cependant, ces fragments ne peuvent pas ouvrir les portes. De petits livrets sont utilisés afin de trianguler le niveau dans lequel vous vous trouvez. Voici un explicatif pour comprendre un ensemble de données de base pour les 20 premiers niveaux sur la façon d'utiliser les clés de niveau pour trouver votre placement de niveau. Un jeu de données est nommé en fonction du nombre de clés qu'il prend en charge et des niveaux correspondants. Par exemple, un jeu de données nommé 5K, LPS, 0, 10, 20, 30, 40, 50 signifie qu'il prend en charge jusqu'à 5 fragments de clés de niveau des niveaux 0, 10, 20, 30, 40, 50. Pour comprendre le principe de la localisation, voici un scénario tutoriel vous décrivant pas à pas comment efficacement utiliser un jeu de données 3K, LPS, 0, 10, 20 pour trouver le niveau dans lequel vous vous trouvez. Prenons cette clé et fragmentons-la en 3 parts. Nous allons le mettre dans un boîtier. Ajoutons-y un fréquence-mètre. Désormais, ce boîtier est semblable aux nombreux boîtiers que le MEG dispose. Les clés de triangulation dans ce scénario, clés utilisées comme base pour trouver votre niveau, sont celles des niveaux 0, 10 et 20. Ce sont des choix arbitraires, mais ils servent bien. Supposons que nous soyons au niveau 7, et que nous ne le sachions pas, et que nous voulions localiser notre niveau. Prenons désormais notre boîtier du niveau 7. Nous y sortons notre fréquence-mètre, et sortons les 3 fragments de clés de niveau de leur boîtier spécial. Nous commençons à mesurer ces fragments tout en consultant notre ensemble de données dans un livret. La clé de niveau 0 résonne à 538 Hz. Selon la liste des fréquences du niveau 0, cela correspond à une distance de 4 du niveau 0. La clé de niveau 10 résonne à 360 Hz. Selon la liste des fréquences du niveau 10, la distance entre cette clé et le niveau 10 est de 5. La clé du niveau 20 résonne à 234 Hz. D'après la liste des fréquences du niveau 20, cela représente une distance de 2 par rapport au niveau 20. Ensuite, consultez votre livret sur la liste des distances. Les niveaux possibles pour une distance de 4 du niveau 0 sont 0, 7 et 8. Les niveaux possibles pour une distance de 5 par rapport au niveau 10 sont 7, 9, 17. Les niveaux possibles pour une distance de 2 à partir du niveau 20 sont 11 et 7. Comme vous pouvez le constater, le niveau 7 est présent dans toutes ces listes. On peut donc supposer que votre niveau actuel est le niveau 7.
N'oubliez pas que les listes de fréquences et de distances utilisées ici sont aléatoires et non exactes. Elles sont juste utilisées en tant qu'exemple. Cependant, la propriété la plus connue d'une clé de niveau, et la fonction principale des clés de niveau elles-mêmes, est sa capacité à ouvrir les portes verrouillées de son niveau d'origine et à accéder à son niveau d'origine en ouvrant la porte correspondante dans le hub. Les clés de niveau sont inexplicablement liées à leur niveau d'origine, bien que nous ne sachions pas exactement à quel point. Lorsqu'elles sont tenues en main pendant le sommeil, les clés de niveau peuvent parfois provoquer des rêves étranges sur de nombreux niveaux différents, souvent aléatoires. Suppose que c'est ainsi que fonctionne. Les clés de niveau ne se trouvent que dans leurs niveaux respectifs et sont souvent cachées ou difficiles à trouver, surtout dans les niveaux étendus ou infinis. Elles sont considérées comme des objets rares et sont échangées à un prix élevé entre les groupes mineurs. Chaque niveau possède ses propres clés de niveau, mais le nombre de clés par niveau est actuellement inconnu.